je vais te présenter une de mes meilleures copines. Tu vas voir, tu vas adorer. Elle est super sympa, elle est drôle, un peu excentrique. Et si ça match, tu pourras faire partie de notre groupe. Quel groupe ? On a un groupe de filles qui partageront toutes les mêmes valeurs, les mêmes goûts. Ah, d'accord. On se retrouve souvent chez l'une ou l'autre pour boire un verre, échanger. Toujours sans homme. Ouais. Exclusivement entre meufs. En complète sororité. Ok. Et aujourd'hui, on se retrouve chez Claudine. J'adore le concept. Bon. C'est Chloé. On est les premières ? Installe-toi. Fais comme chez toi. Tu connais la maison. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, hein, je remets tes messins. Ouais. Ben, je te rassure, ils sont faux. Moi, c'est Claudine. Tu t'appelles comment ? Moi, c'est Julie. Enchantée. Bonjour, Julie. Bonjour. Qu'est-ce que t'en penses, hein ? Ça me met en valeur, non ? Ouais, ouais. Pourquoi on aurait honte d'avoir des gros seins, hein ? Moi, je me sens belle comme ça. Pour la plage, c'est sympa, non ? C'est sûr, tu vas faire ton petit effet. Ouais. Ouais. Tu fais quoi dans la vie, Julie ? Je suis secrétaire médicale. Oh, c'est génial, ça. Ah ouais, j'ai toujours rêvé de travailler en médical. J'aurais adoré être gynécologue. Soigner les femmes, nous soigner, nous. Non, franchement, ça, c'est vraiment un métier que j'aurais adoré faire. Mais d'ailleurs, je comprends pas tous ces hommes qui font ce métier. C'est pervers ou quoi, tu trouves pas ? Je sais pas. Tu parles pas beaucoup ? Elle parle pas beaucoup, ta copine. Hein. C'est pas la peine d'être agressif, hein, en même temps. Agressif ? Non, excuse-moi, on dit agressive. Ah, bah oui, bien sûr. Bah oui. Et puis, je pense que ça doit être mes ragnagnas. Les ragnagnas. Plus personne dit ça, écoute, Claudine. Non. Ouais, je sais, je suis vieux. De toute façon, ça fait longtemps que je suis ménopausée. Hein. Bah oui. T'as vu, elle est marrante, je t'avais dit. Et c'est pas trop dur, la ménopause ? Ah non, ça va, ça se passe bien. Mmh. Non, le seul problème que j'ai en ce moment, c'est la prostate. Ah bah oui. Je suis impuissant. Ah merde. C'est ennuyeux. T'as vu, Julie, c'est ça qui est bien. C'est qu'entre filles, on n'a pas de gêne à parler de nos problèmes intimes. C'est vrai, t'as complètement raison. Hein, t'as complètement raison. Ouais. J'ai bon de mou. Mmh. Ah oui. Pauvre. C'est arrivé aussi, mais au copain d'une copine. Ah bah oui. Évidemment, bien sûr. Ouais. Non, parce que moi, le Viagra, hein, ça me fait rien du tout. Hein. Ça me laisse complètement de marbre. Enfin, de marbre, c'est une certaine façon de parler. Non, j'étais en train de me poser la question si j'allais pas me faire poser une prothèse avec une pompe. Ah bah oui. Bah oui. Alors, donc, je vais vous laisser entre filles. Non, tu voilà. T'en vas déjà ? Oui. Au revoir. Et bonne journée. Au revoir. Au revoir, Julie. Elle est sympa, non ? Ah non, elle est facho, ouais. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça ? L'intuition féminine.